quand on rentre à la CGT, on n'est pas militant, militante. On le devient. Parce que si je prends mon expérience, j'ai été contactée par un militant CGT. J'ai apprécié sa façon de faire, son discours. Mais c'était plus un discours dans l'entreprise et pas forcément national. Il m'a pas tout de suite vanté les mérites de la CGT. Ça s'est pas fait vraiment comme ça. C'est après, quand vraiment j'étais très intéressée, il a vu que j'étais très intéressée, donc il m'a proposé, le syndicat a proposé des mandats, et effectivement j'ai pris mes mandats. Et ensuite, je me suis formée rapidement quand même, parce que si on n'a pas les moyens de faire son mandat correctement, j'estime que ça ne va pas. On ne fait pas ce qu'on doit faire. Donc rapidement, je me suis fait former et effectivement, j'ai commencé à m'intéresser davantage à la CGT, à son histoire, parce que comme beaucoup, je pense, je connaissais un petit peu quand même, j'étais pas en territoire inconnu, mais j'avais beaucoup, beaucoup de lacunes. Et donc, je pense que j'ai été formée rapidement et ça m'a permis de devenir réellement militante. Mais au départ, j'étais simplement syndiquée CGT.